Kate Middleton, la duchesse de Cambridge, est admirée et suivie par beaucoup de fans en tant qu'icône de la mode royale. Elle est également vue comme étant la personne sur qui la reine Elizabeth II, 95 ans, peut compter dans les moments difficiles. La femme du prince William vient de fêter ses 40 ans le dimanche 9 janvier. Au fil des ans, elle cesse de révéler petit à petit, en toute discrétion. Le contexte du mégot a été l'occasion pour elle d'affirmer encore un peu son rôle dans la famille royale. Son ascension progressive, mais sûre, elle le doit à un conseil avisé de son beau-père, le prince Charles, 73 ans. L'experte royale Ingrid Seward a déclaré que le prince de Galles, 73 ans, a conseillé la duchesse de Cambridge, 40 ans, à propos des engagements. Il lui aurait dit de ne pas se précipiter pour s'occuper des œuvres caritatives. Au contraire, le père du prince William et du prince Harry auraient dit à Kate de prendre son temps et de profiter de sa famille. Ingrid Seward confirme que Kate Middleton a actuellement plus confiance en elle. Et selon elle, le fait d'avoir sa famille l'a aidé à prendre confiance en elle. Aujourd'hui, il y a définitivement de la confiance et de l'assurance. Elle a appris à surmonter sa timidité, précise l'experte. Kate Middleton, la duchesse de Cambridge a tous les atouts pour être reine. Un jour l'experte Ingrid Seward estime qu'actuellement Kate Middleton a parfaitement émergé pour assumer la responsabilité d'être reine un jour. Elle la compare à sa défunte belle-mère, la princesse Diana. Elle est patiente, et a la capacité d'écouter, confirme Ingrid, avant de poursuivre, elle sait s'y prendre avec les plus jeunes et les plus vieux. Bien que Kate Middleton soit de nature introvertie, son étonnante performance au piano lors du Royal Carol's Together at Christmas a démontré qu'elle est actuellement plus qu'à l'aise par rapport au fait d'être sous les feux des projecteurs.